Hello, hello! Bienvenue dans la cinquième saison de Famille et Voyage, le podcast. Cinquième saison! Bah dites donc, c'est que ça commence à en faire des épisodes! Je suis Stéphanie, maman de deux nados et complètement accro au voyage. Si vous cherchez une nouvelle destination pour vos prochaines vacances, si vous vous titillez pour un voyage au long cours, abonnez-vous! Les carnets de voyage de mes invités vont vous emmener aux quatre coins de la planète. Dans ce podcast, on va parler itinéraire à pied, à vélo, en voiture, en camping-car. Vacances tout près et très loin, tour du monde, expatriation. Les parents voyageurs vous raconteront leurs activités avec leurs enfants, les bonnes adresses pour goûter les spécialités du coin, et aussi leurs galères. Je vous proposerai également des reportages entre récits, témoignages et interviews. Le programme vous convient? Alors n'oubliez pas, un partage ou un petit mot doux sur Apple Podcasts, ça aide le podcast à être découvert par d'autres parents en quête d'inspiration. Allez hop, nouvelle conversation! La première fois que Bérénice vit Aurélien, elle le trouva franchement con. C'est une prof de littérature doublée d'une créatrice d'applications littéraires qui dit ça. Si seulement j'avais connu Sarah avant le bac de français du 17 ans. Mais je m'égare. Si je vous parle de Sarah Soké aujourd'hui, ce n'est pas pour ses livres, mais pour son voyage en Slovénie. Avec Héloïse, sa fille de 7 ans, et ses parents, elle a parcouru Kranjska Gora, Bled, Piran et la capitale Ljubljana. Bon, je suis pas sûre que ça se prononce comme ça. Je n'avais aucune idée de ce à quoi ressemblent ces endroits. Je suis donc allée voir des photos et croyez-moi, si vous aimez la montagne, les lacs et les villes baroques, vous allez adorer. Allez, c'est parti pour le carnet de voyage de Sarah en Slovénie. Hello Sarah! Bonjour Stéphanie. Comment ça va? Très bien et je suis ravie d'être reçue sur ce podcast pour pouvoir parler de la Slovénie. Oh bah ça me fait plaisir. Où est-ce que tu te trouves? Je suis à Paris, on est à quelques jours de la rentrée scolaire et j'habite Paris. Avant de partir en Slovénie, est-ce que tu peux nous présenter la voyageuse que tu es? Tout à fait. Alors la voyageuse que je suis, elle est atypique et quelque peu contrariée. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que je suis atteinte depuis la naissance d'une ce qu'on appelle une MIKI, une maladie chronique des intestins, ce qui joue bien évidemment sur et mon quotidien et mon rapport au voyage. C'est-à-dire que, pour faire court, je suis quelqu'un qui fatigue très vite, qui a fréquemment besoin d'aller aux toilettes, qui ne supporte pas la position assise de manière longue, qui a des douleurs quotidiennes. Et donc, à cause de tous ces facteurs, j'ai du mal à supporter des heures d'avion, de longs trajets en train. Je suis incapable de faire un voyage itinérant en vélo, en marche ou en randonnée. De la même façon, j'ai besoin de confort quand je voyage. Je pense qu'on en reparlera plus tard. Et de ce fait, j'aime les voyages. Alors, je suis avant tout une citadine. J'habite Paris, j'ai toujours vécu en ville et j'aime les villes. Et j'ai besoin en voyage d'être rassurée. C'est-à-dire, être confrontée à l'exotisme va m'inquiéter. Il m'est arrivé de me trouver au fin fond de la Patagonie où il n'y avait pas de toilettes, ou alors des toilettes sans porte. Des situations comme ça peuvent me sembler ubuesques ou me faire vite perdre mes moyens. Et donc, en gros, j'aime voyager plutôt en Europe. Alors, j'adore les pays de l'Est, et comme je ne supporte pas la chaleur, j'aime aussi plutôt les lacs et la nature. Donc, je vais avoir tendance à privilégier ou les villes, aussi bien Bordeaux ou La Rochelle, que j'adore, que Lisbonne ou Cracovie, mais aussi les destinations de montagne. Ok. Alors, tu disais que c'est pénible pour toi de prendre l'avion pendant de nombreuses heures, mais la Patagonie, c'est quand même pas la porte à côté. Oui, je l'ai fait. La Patagonie, je l'ai fait une fois et je t'avoue que quand je suis rentrée, je me suis dit que je ne le referais pas. Et en fait, ce que je trouve très intéressant dans les voyages, c'est que ça t'apprend tes limites, ça t'apprend des choses sur toi. Et ce que je trouve toujours formidable, c'est que quand tu reviens, notamment de l'étranger, il y a une espèce de décalage qui s'opère et il m'est arrivé de partir en voyage avec des questionnements et de rentrer en trouvant des réponses à mes questions et souvent des réponses auxquelles je ne me serais pas attendue. Et ce qui est toujours intéressant dans le voyage, c'est la découverte des autres et la découverte de soi. Et d'ailleurs, je voyage assez peu, mais en revanche, je lis énormément de guides de voyage. Et je pense que c'est ma façon de voyager, en fait. Et des guides de voyage qui sont sur les destinations que tu veux faire ou pas forcément? Pas forcément.
Par exemple, je me verrais pas du tout, pour les contraintes dont je te parlais, aller en Inde. Et donc, j'ai beaucoup lu sur l'Inde. Et puis, j'aime comparer sur une même destination, parce que je suis très curieuse. Je vais comparer les collections et je peux te parler de l'esprit du Lonely Planet et du guide du Routard, du guide Gallimard. Et sur une même destination, j'aime beaucoup confronter les approches éditoriales. Ah oui, ça veut dire que quand tu prépares une destination, ça va prendre un certain temps. Ça peut prendre du temps. Et en tout cas, mais c'est un vrai plaisir parce que c'est une. Je pense que ça me rassure et puis ça permet de préparer le voyage. Oui, tout à fait. Quand tu dis que ça te rassure, c'est parce que tu as besoin de savoir exactement où tu vas aller et ce que tu vas y trouver. Oui, tout à fait. Partir sac au dos et me dire on va faire ça tel jour puis tel jour, pour moi, c'est absolument inenvisageable. Voilà, il faut juste le savoir. Voilà. Oui, puis une fois que tu le sais, bah tu fais en Oui, voilà. conséquence et ton voyage est confortable et en tout cas comme tu le souhaites. Oui, tout à fait. Parfait. Bah écoute, partons en Slovénie. C'est où exactement la Slovénie? Alors, la Slovénie, c'est un pays limitrophe de l'Italie. On est tout près de la Suisse et de l'Italie. Donc, de France, de Paris, en tout cas, c'est à 1 heure, 1 heure et demie d'avion. Et c'est un pays au car... Donc, c'est un tout petit pays. C'est-à-dire que nous, on a visité que l'ouest de la Slovénie, mais tout est à 60 ou 100 km en voiture. Enfin, c'est vraiment, les destinations se font d'une journée à l'autre très facilement, ce dont j'avais pas pris forcément la mesure avant de partir. Et puis, c'est un pays qui est au carrefour d'influences à la fois méditerranéenne, italienne et un peu slave aussi. Beau mélange. Oui, tout à fait, très, très enrichissant. Quand est-ce que tu y es allé? J'y suis allée cet été, donc c'est-à-dire en juillet 2023. Tu es parti avec qui? Je suis partie avec ma fille de 7 ans et avec mes parents, et en fait, c'était un voyage à l'occasion de mes 40 ans. Ah, super! Donc trois générations. Voilà, 3 générations dans la même voiture. Voilà, c'était rigolo, c'était vraiment très sympathique. Alors pourquoi tu as choisi la Slovénie? Alors, j'ai choisi la Slovénie pour plusieurs raisons. En fait, j'hésitais entre. Il y avait deux destinations qui me tentaient, qui étaient la Suisse ou la Slovénie. Et alors, comment j'avais découvert la Slovénie? Il y a quelques années, j'étais tombée à la télévision sur un reportage dans l'émission 50 Minutes Inside qui présentait la Slovénie. Et je m'en étais souvenue parce que j'adore les lacs et le pays était présenté comme un paradis de l'écologie encore méconnu avec une très belle nature. Ça m'avait plu, donc voilà, ça m'avait marqué. Je m'étais dit un jour, il faudra aller en Slovénie. Et alors, entre la Suisse et la Slovénie, j'avais hésité. Et la Suisse, en fait, je voyais pas d'itinéraire clair. On était avec ma fille, et entre j'avais le sentiment qu'en Suisse, il fallait faire soit de la culture, soit de la randonnée. Enfin, j'arrivais pas à dessiner d'itinéraire simple. Et l'ouest de la Slovénie, tout de suite, ça m'est apparu très évident. Et je me suis dit qu'il y avait à la fois des paysages, des lacs, des choses pour les enfants. Et pour cela, je me suis appuyée vraiment sur le site Voyage Family que je suis depuis longtemps et je recommande les conseils de Caroline qui Absolument. proposait plusieurs activités. Et je me suis dit, il y a des grottes, il y a un château, il y a des randonnées faciles dans des paysages très dépaysants. Voilà. Et tous ces critères mis bout à bout, je me suis dit, c'est pas loin en avion. Voilà. Ça s'est imposé facilement. Combien de temps vous êtes resté sur place? On est resté 1 semaine pour le périmètre qu'on a couvert. Je pense que c'est une bonne durée. On a fait en gros 2 jours par destination. Je vais en reparler après en détail. Je pense qu'on aurait pu faire 8 jours, mais voilà, 7, 8 jours, je pense qu'on a déjà eu un bon aperçu de l'ouest de la Slovénie. Est-ce que tu peux nous décrire à présent justement cet itinéraire, qu'on ait une vision d'ensemble? Oui, tout à fait. Alors, ce qui est drôle, c'est que donc je suis partie avec mes parents et j'ai des parents qui sont passionnés de ski et de sport. Et d'ailleurs, la Slovénie est un peu le paradis des sportifs, on va en reparler. Et on a un peu choisi, enfin, on a découpé le voyage. En gros, on a passé d'abord 2 jours à Kranjska Gora, qui est en fait la station de ski, qui est un peu le Chamonix ou le Courchevel slovène, mais qui est un peu la station mythique.
où il y a en fait un tremplin qui sert pour des compétitions mondiales. Et je rappelle, ma mère m'a dit, on va aller à Grand Skagora, c'est extraordinaire. Donc, on a fait 2 jours de montagne à Grand Skagora. Après 2 jours à Bled, qui est le lac mythique de Slovénie. Et d'ailleurs, quand on tape Slovénie sur Internet, on voit tout de suite des images de ce lac qui a une petite île au milieu avec un tout petit château. Ensuite, on a fait 2 jours typiques à visiter le patrimoine slovène avec des grottes et un château. Et puis, on a passé 2 jours à Piran, qui est une ville de la Méditerranée. Donc là, on est vraiment, on est tout à côté de Trieste et de l'Italie. C'est une autre ambiance, c'est la mer Adriatique. Et on a fini par une journée à Ljubljana, qui est la capitale. Ça a l'air d'être très diversifié. C'est très diversifié et vraiment sur. Voilà, on a dû faire en voiture le. C'est, tout est à 50, 60, 100 km. Enfin, on a fait des. En voiture, ce sont des trajets qui prennent une demi-journée et c'est. Voilà, c'est vraiment. J'ai eu le sentiment en fait de faire 3 voyages ou 4 voyages en un. Ce qui en une semaine est plutôt pas mal. Oui, exactement. Quand vous arrivez en Slovénie, quelles sont vos premières impressions? Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous avez autour de vous? C'est quoi les couleurs, l'architecture? Vous avez atterri où d'ailleurs? Alors, on a atterri à Ljubljana, qui est, je pense, le seul aéroport du pays. Les impressions, quand on arrive, elles sont extrêmement positives. Plusieurs choses. Déjà, c'est propre. C'est très propre. C'est vert. Moi, j'aime beaucoup le vert. Il y a beaucoup de forêts, beaucoup d'arbres. Quand on sort de l'aéroport, enfin, on prend la voiture de location et on est vraiment dans la forêt. Et c'est vraiment un pays de montagne avec des lacs. C'est un pays de nature. Et ce qui me frappe très vite, c'est qu'en fait, on voit des gens à vélo partout. Et ce dont on se rend compte, c'est que les Slovènes sont un peuple, je pense, éminemment sportif. On a vu énormément de familles se balader à vélo avec, par exemple, des couples, alors sans vélo électrique en plus, je ne sais pas, monter des routes de montagne à vélo avec les enfants derrière ou devant dans le triporteur. Enfin, et on a l'impression que tout le monde se déplace à vélo, fait de la randonnée, et le sport a l'air d'être un peu une religion nationale. Et d'ailleurs, ce qui est drôle, c'est qu'au même moment, il y avait le Tour de France. Et dans tous les hôtels où on est allé, les gens nous disaient, oh, il y a le Tour de France. Et tous les jours, mes parents discutaient des résultats du Tour de France avec le personnel de l'hôtel. Et ce que j'ai appris, c'est que d'ailleurs, un des coureurs phares du Tour est slovène. Et en fait, la Slovénie est un pays de vélo. Enfin, voilà. Ok, bah on aura appris un truc en plus. Et une chose que j'oublie d'ajouter, mais qui est importante et qui m'a vraiment marquée, c'est que, enfin, 2 choses. C'est un pays très écolo. Et le reportage télé que j'avais vu il y a quelques années auparavant n'avait pas menti. Quand on vous sert de la nourriture dans les restaurants, à l'hôtel, tout est bio, tout est en circuit court, tout est local. Il y a une attention qui est portée à ça. Les produits sont peu transformés. On mange bien et facilement. Il y a une attention qui est portée à ça. Dans les hôtels, enfin, il y a du compost. Les eaux usées sont recyclées. Enfin, il y a toute une politique qui est extrêmement poussée. Et puis partout, que ça soit dans les hôtels, à Ljubljana dans la ville ou même dans des petits villages quand vous êtes perdu et qu'on s'arrête, les gens parlent extrêmement bien anglais. Ça Ah, c'est m'a bien. vraiment surprise partout, à en avoir des complexes, un anglais parfait, presque oxfordien, je dirais. Ah oui. Et en fait, on peut vraiment voyager là-bas et pratiquer son anglais. Ah bah c'est pas mal pour envoyer les jeunes aussi en échange. Oui, tout à fait. Et en plus, alors le slovène a l'air d'être une langue assez difficile. Et donc, tout le monde parle anglais. Eh bien, partons sur la route, rejoignons votre premier point, votre premier arrêt. La première destination, c'est Kranjska Gora. C'est un Chamonix local. Donc, c'est un petit village de montagne extrêmement mignon, avec une architecture typiquement bavaroise. Avec beaucoup de forêts, des montagnes, à ma connaissance, pas de lac, mais des itinéraires de randonnée, des itinéraires faciles, accessibles avec des cascades et des parcours vraiment à la fois spectaculaires et très faciles à faire.
C'est-à-dire que y a pas de grande montée, ou y a pas de, on peut faire des parcours de 2 heures avec des enfants très facilement et voir de très belles choses. Et donc, vous avez fait quoi? On a fait de la randonnée. On est arrivé à l'hôtel le premier jour. On a posé nos affaires vraiment tout de suite on est parti et enfin, il y avait des cascades juste à côté. On nous a dit, voilà, il y a un chemin de randonnée juste à côté. On n'avait pas besoin de prendre la voiture. Ça a duré 2 heures on était en chantier du spectacle. Super, dès l'arrivée et surtout sans avoir besoin de vous déplacer, Voilà, il y de avait reprendre la déjà 2 heures. voiture. Oui, on voit bien quand on se déplace dans Grand Skagora qu'il y a des groupes de marcheurs partout. On peut aussi louer des vélos. Alors, il y a des loueurs de vélos partout. Et puis, on voit vraiment qu'il y a une politique du vélo. Enfin, c'est-à-dire que les vélos sont de très bonne qualité, manifestement. Tout le monde porte un casque, les vendeurs sont de très bons conseils. Enfin, on voit qu'il y a une passion pour le vélo. Et il y a des marcheurs partout. Et en fait, c'est vraiment une destination où faire du vélo ou marcher. Est-ce qu'il y avait, du coup, vous avez fait cette première randonnée et Oui. vous en avez fait d'autres qui étaient peut-être un peu plus loin, différentes? On en a fait d'autres, mais qui étaient souvent dans le même niveau de difficulté. Ce qui, moi, m'a enchantée parce que, voilà, pour moi, 2 heures de randonnée, c'est le bon format. Et pareil, vraiment plusieurs chemins de randonnée qui partent du centre-ville de Grand Skagora et qui sont simples à rejoindre. Et puis, je me souviens maintenant, on s'est baigné dans un petit lac où l'eau faisait, je me rappelle, 12 degrés. Mes parents et moi, on s'est baigné, ma fille à Paris ici, et l'eau était limpide et c'est vraiment de l'eau de montagne. C'est là qu'on sent, 12 degrés, qu'on est vraiment en montagne. Oui, 12, j'y vais pas non plus. Oui, voilà. Et alors, j'y suis allée pas longtemps. C'est des tout petits bains de quelques minutes. On a vite très froid, et l'eau est magnifique. Et encore une fois, voilà, c'est très propre. Il y a des endroits où manger. D'ailleurs, il y a des restaurants partout. Enfin, on voit que c'est une ville qui, l'hiver, doit être très animée. Il y a beaucoup d'hôtels. C'est cosmopolite. Je veux bien croire que l'hiver, le monde entier vient à Grand Skagora pour des compétitions internationales. Les randonnées que vous avez faites, à part la première qui t'a été indiquée à l'hôtel, est-ce que tu les avais repérées ou est-ce que en fait c'est très bien indiqué en centre-ville et du coup vous les avez faites comme ça? On nous les a indiqués à l'hôtel. On nous les a Ah bah très indiqués à bien. l'hôtel. On les avait vus aussi dans le guide. Et de manière générale, c'était assez simple. Et je me souviens, on s'était posé la question de louer des vélos. Et ma fille n'était pas totalement à l'aise. Et d'ailleurs, ce que j'ai apprécié, c'est qu'on a pu tester les vélos sur le parking. Et ils nous ont dit, non, non, elle n'est pas prête. Ce que j'ai Ah. apprécié. Enfin, ils n'ont pas du tout poussé à la consommation. Voilà. Et ils nous ont dit, mais rejoignez le chemin, là, vous en avez pour 10 minutes à pied, et c'était peut-être à voilà, 10-15 minutes, enfin, voilà, ils n'avaient pas menti, et c'était... Non, non, les gens, enfin, je pense que c'est vraiment un pays qui a à cœur d'accueillir et de faire découvrir sa culture et ses paysages. Et ta fille, pour ses randonnées, elle était plutôt partante ou il a fallu un peu la pousser? Parce qu'à 7 ans, on n'a pas Oui. forcément envie d'aller marcher pendant 2 heures. Les 2 premiers jours, ça a été un peu dur, enfin un peu dur. Elle a toujours marché, et après, ça a été le fait que ça soit toujours plat et que voilà, on a vu par exemple, je sais pas, des arcs-en-ciel et des cascades. C'est Ah, quand même dans des super! endroits assez enchanteurs. Enfin, ça l'a quand même marqué. Donc voilà, les 2 premiers jours, c'était un peu dur, et puis après, impeccable. Ok. Vous avez croisé des animaux? On a croisé un peu de marmottes très Ah, trop ponctuellement. bien! Oui, des animaux, beaucoup d'enfants sur les chemins, beaucoup de gens, en tout cas, mais pas surpeuplé. Je veux Voilà, c'est ce dire que que j'allais c'est demander. fluide. Ça, non, non, ça circule. Et d'ailleurs, je crois que l'ours est l'emblème de la Slovénie. Oui. Oui, mais on n'a pas forcément envie de le rencontrer. Non, non, on n'en a pas vu, mais il y a des ours sculptés, il y a des sculptures d'ours un peu Ah, ok. partout. Voilà, c'est ce qu'on retrouve dans plusieurs sites. Enfin, c'est sympa. Est-ce que vous avez mangé des spécialités particulières? Alors moi, je ne prends que peu de risques alimentaires. Et en fait, j'ai essentiellement mangé, je n'ai pas honte, mais des spaghettis bolognaises. Et d'ailleurs, la carte est souvent à la fois italienne et méditerranéenne. Il y a des pâtes ou des salades grecques. C'est essentiellement ce qu'on trouve. Il y a un gâteau slovène au citron qui est extrêmement bon, qu'on trouve partout. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et voilà, ça, j'en garde un très bon souvenir. Mais la nourriture est voilà, plutôt italienne et méditerranéenne. En fait, j'ai retrouvé la même carte que j'avais déjà découverte en Croatie. Ok.
Est-ce que vous avez fait d'autres choses sur ces 2 jours ou on peut avancer? On peut avancer. On est allé voir le fameux tremplin mythique où il y a en hiver, voilà, des courses, des sauts à ski, pardon. Et ça, c'est vraiment impressionnant parce que c'est très haut. Voilà, donc mes parents étaient très contents, voilà, de voir ce qu'ils voient à la télé chaque hiver. Donc ça, c'était amusant. Voilà, mais non, on peut passer à la suite. Tes parents, tu disais que ils aiment le sport également. Oui. Et eux aussi, la randonnée, ça fait partie des choses qu'ils aiment faire. C'est pas ce qu'ils préfèrent. Eux sont plus, ils adorent. Alors, ce sont des skieurs, des joueurs de tennis. Ils font de la course à pied aussi. La randonnée me convient plus à moi pour un rythme lent, mais en fait, je pense qu'ils étaient très contents de faire des choses variées. C'est aussi des gens qui adorent nager, qui aiment plus la mer que moi. Et par exemple, pouvoir nager dans des lacs et nager dans la mer. Enfin voilà, ça a plu à toute la famille pour ces raisons aussi. Il y en avait pour tous les goûts. Oui, exactement. Ok, et bien passons à votre deuxième étape. Alors, la deuxième étape, c'était le lac de Bled. Alors, en fait, il faut parler de 2 lacs ensemble, qui sont le lac de Bled et le lac de Boinge, qui sont vraiment 2 lacs à proximité l'un de l'autre. Je pense qu'il y a, c'est, le lac de Boinge est à 26 km de Bled. Donc voilà, c'est vraiment tout près. Tout le monde parle de Bled parce que la ville de Bled est une petite ville extrêmement touristique. Tout le monde voit bien en photo cette petite île avec au milieu un château, etc. Mais moi, par exemple, je vais en parler après, j'ai préféré le lac de Boinge qui est beaucoup plus sauvage. Donc en tout cas, ce sont 2 lacs vraiment très beaux, avec des eaux chaudes et belles, limpides, propres, où on se baigne avec un immense plaisir. Donc je vais commencer par parler du lac de Bled. Donc le lac de Bled, je sais pas faire le tour du lac, je sais plus sa circonférence, mais ça prend 2-3 heures, peut-être 3-4 heures de marche. Et tout autour du lac, tu as soit des habitations, soit de la forêt, soit des installations nautiques. Donc c'est vraiment une petite ville balnéaire. Voilà, et c'est le symbole de la Slovénie qui forcément attire beaucoup de gens. Et en fait, les gens se baignent partout. On peut vraiment se baigner partout. Il y a des cygnes, il y a des canards partout. Tu vois des canards se promener partout, les familles de canards voilà, partout, c'est rigolo. Donc c'est vraiment une destination familiale avec des restaurants, des campings, des hôtels. Il y en a pour, je pense, tous les budgets, tous les goûts, plein d'envies différentes. Et vous aviez justement pris un hébergement dans ce coin-là ou Oui, un autre endroit? on était dans un hôtel qui donnait sur le lac. Ok. Et en fait, il y en a plein. Il y en a vraiment plein. Et il y a quelques hôtels qui donnent sur le lac, c'est-à-dire vraiment avec une espèce de plage privée sur le lac. C'était pas notre cas. Et si c'est pas le cas, on peut vraiment se baigner partout. Enfin, il y a enfin, s'il y a un hôtel, on est vraiment à quelques minutes du lac. C'est vraiment très simple et c'est très agréable. Et alors, on retrouve un peu l'architecture un peu bavaroise, autrichienne dont je parlais tout à l'heure. Et le lac de Boinge, lui, donc il est à 26 km, donc on prend la voiture ou on prend son vélo. Et alors, on parlait tout à l'heure de mes parents. Je pense que mes parents auraient aimé faire du vélo. Alors, entre-temps, dans l'été, ma fille a vraiment appris à faire du vélo et à maîtriser le vélo. Donc, on partirait aujourd'hui. Je pense qu'on aurait fait du vélo. Et le lac de Boinge, donc soit tu vas à vélo si vraiment un sportif accompli, soit tu vas en voiture et tu fais le tour du lac à vélo. Ouais. Là, Boinge, pour moi, c'est vraiment magnifique. C'est-à-dire que c'est un lac vert, très clair, plus clair que Bled, moins profond peut-être, en tout cas au début quand tu nages. Et c'est entouré d'arbres, c'est très sauvage. En fait, il n'y a pas de construction. Ah oui, donc ça change un peu de l'autre, effectivement. Voilà, c'est vraiment, en fait, c'est ma cabane au Canada. Il y a un restaurant, il doit y avoir quelques installations nautiques. Parce que c'est un grand lac, mais c'est tout. Et c'est magnifique. Et voilà, tu te baignes, tu vois plein de gens passer en vélo ou faire leur jogging. Voilà. Et si tu arrives vraiment le matin, comme on a fait, il n'y a personne. Enfin, c'est idyllique. Et moi, ça reste vraiment mon plus beau souvenir. Je trouve que c'est enchanteur. Vraiment. Vous avez marché un peu sans faire à chaque fois le tour du lac et vous êtes baigné ou vous avez fait d'autres activités? On a surtout nagé et marché. Et comme moi, je ne supporte pas la chaleur, j'ai vraiment besoin de nager et j'adore nager. Et j'aime énormément les lacs, donc on a surtout nagé. Quand on était à Bled,
Je sais plus, il y a un ou deux jours où il a fait extrêmement chaud. Moi, j'étais dans l'eau tout le temps. Donc c'est oui, bah oui, c'est un peu plus au sud. Donc les températures début juillet étaient environ à combien? Franchement, ça allait, mais c'était du 20-25. Et je pense qu'à Bled, on a dû monter une journée à 29-30. Ok, Voilà. ça reste supportable. Oui, tout à fait. Et puis, c'est quand même un pays de montagne. Franchement, on dort bien. Enfin, le soir, ça se refroidit. Voilà, c'est agréable. Et qu'est-ce qu'on fait le soir entre ces deux lacs? Il y a des restaurants, il y a des auberges qui peuvent faire penser un peu à une ambiance à la Oktoberfest en Allemagne. C'est assez détendu. Qu'est-ce qu'on fait le soir? Peut-être qu'on se repose après le Mais sport qu'on oui, a fait dans la journée, absolument. je pense. Mais c'est très bucolique. Voilà, enfin, en tout cas, y a pas, c'est pas Ibiza, quoi. Il n'y a pas de grande discothèque. Ou alors, en tout cas, on n'y est pas allé. Oh non, mais c'est très bien de se reposer. Mm-mm. Donc sur ces 2 jours, vous avez fait les deux lacs et vous avez fait autre chose? Tout à fait. Donc, on a fait Bled et Boeing sur en gros 2 jours. Et il y a un troisième jour où on a fait. Et donc là, pareil, c'est vraiment entre 10 minutes et 20 minutes de Bled. On a fait deux choses sur les conseils de Voyage Family, le château de Predjama et les grottes de Pojtojna. Les grottes de Skokjan, excuse-moi. Il y a deux grottes, excuse-moi. On a fait les grottes de Skokjan. Et on a fait une troisième chose dont je vais te parler après, c'est les gorges du Vengar. Ok, waouh, un gros programme aussi. Voilà, alors trois choses différentes. Alors les gorges du Vengar, ça ressemble vraiment aux randonnées dont je te parlais à Kranjska Gora. C'est-à-dire, alors ça c'est un site très connu, qui est très visité, on fait un peu la queue, mais franchement, il y a un peu de monde, mais c'est tout à fait gérable. Et là, c'est une randonnée d'une heure, 1 h 30 que tu fais dans des gorges. C'est très facile et en même temps très spectaculaire. C'est là qu'on a vu des arcs-en-ciel, des cascades. Tu montes un tout petit peu, tu redescends. Enfin, c'est très simple. C'est très simple, c'est très dépaysant. Il y a plein de rochers. Enfin, c'est découpé dans la montagne. Enfin, c'est magnifique. Moi, j'ai adoré faire ça. Et c'est indiqué, tu sais où tu vas ou Ah, tu suis c'est hyper quelqu'un? indiqué, c'est extrêmement, c'est tout, c'est un parcours fléché. Enfin, tu D'accord. suis, en fait, il y a un seul itinéraire que tu dois suivre et c'est, enfin, tu peux pas te perdre. Hein, c'est une passerelle que tu suis en fait le long de la montagne. Ok. Ça, c'est super et pour les enfants, c'est vraiment formidable. Moi, j'ai adoré. Donc, on a fait ces gorges qui sont vraiment à 10 minutes de Bled. Voilà, donc tu peux par exemple très bien faire les gorges du Vengar le matin et te baigner à Bled ou Boeing l'après-midi pour te Beau détendre, tu vois. programme. Enfin, voilà, ça c'est tout à fait possible. Et sur une autre journée, tu peux faire donc les deux choses qu'on a faites qui sont, et là c'est vraiment pour les enfants, le château de Predjama et les grottes de Skokjan. Pourquoi c'est pour les enfants? Alors pourquoi c'est pour les enfants? Alors je vais commencer par le château de Predjama. Donc le château de Predjama, c'est un château médiéval qui est construit dans la roche. C'est-à-dire que c'est à la fois troglodyte et en même temps, enfin, tu le vois se détacher dans la montagne. Il a été construit dans la roche et tu as une partie architecturalement, enfin, comme un château classique, et une partie dans la montagne, creusée dans la montagne. Et en fait, on te raconte l'histoire de ce château et d'un seigneur qui a résisté aux invasions comment il a résisté à l'envahisseur, l'architecture du château, comment elle a été pensée, etc. Et en fait, l'audio guide qui est proposé et qu'il faut absolument prendre est passionnant. Ça prend une demi-journée, tu passes dans plein de pièces différentes et l'audio guide raconte plein d'anecdotes extrêmement drôles, intéressantes, décalées. Je sais pas, on apprend par exemple, moi ça m'a fait rire que le fameux seigneur de ce château, en fait, avait survécu à l'envahisseur pendant des années et en fait il est mort parce qu'il a été atteint par un boulet de canon pendant qu'il était aux toilettes. Et en fait les toilettes que tu visites sont vraiment presque à l'extérieur, enfin tu vois, au-dessus des douves, et on t'explique en fait que beaucoup de châteaux ont été détruits dans toute l'Europe et l'histoire occidentale des châteaux pendant que les gens étaient aux toilettes, parce que dans ce cas-là, le château n'est pas surveillé. Ah bah Voilà, oui. il y a des choses drôles comme ça qu'on te raconte. Et moi, j'ai adoré. Et ma fille, elle était passionnée. Enfin, elle voulait plus quitter le château.
Elle a vraiment retenu toutes les anecdotes. On voit des choses très variées. Je me rappelle, ma mère et moi, on a eu un fou rire nerveux à un moment. Enfin, non, non, c'est vraiment, c'est un beau château et surtout, c'est parfaitement mis en valeur. Et je trouve que c'est moi qui ai visité les châteaux de la Loire. Enfin, ici, je trouve que le travail de mise en valeur est vraiment remarquable. Et des audioguides intéressants, c'est pas toujours facile, hein. Ah oui, non, non. Et là, même moi, j'étais passionnée. Enfin, ouais, c'était vraiment super. J'ai rarement vu ça. Bah ça donne envie en tout cas. Ah non, ça, c'est vraiment pour les enfants. Enfin, même les adultes, d'ailleurs. Parce que Ben oui. moi, j'étais enchantée. Mais vraiment, je pensais pas que voilà, ma fille allait vraiment. Elle était vraiment excitée à passer la première devant, vouloir faire toutes les salles, tout écouter, enfin, à nous poser des questions. Enfin, vraiment, c'était une visite réussie. Bah, à partir du moment où les enfants accrochent, c'est que c'est vraiment bien fait, en vrai. Oui, exactement. Donc ça, vraiment, je le recommande. C'est le château de Predjama. Et juste à côté, alors, il y a deux grottes. Nous, on n'en a fait qu'une. Il y a les grottes de Postojna et les grottes de Skokjan. Alors, en fait, ce qu'on nous avait dit dans les hôtels où on était, on nous avait dit deux choses. C'est que les grottes de Postojna, c'est les plus connues. C'est vraiment le site phare du pays en termes de grottes. Et que c'est un peu Disneyland. Et à l'inverse, que les grottes de Skokjan étaient un peu plus sauvages. Et en fait, on a choisi les grottes de Skokjan. On nous a dit après qu'on avait fait le bon choix. Et en fait, les grottes de Skokjan, c'est extraordinaire. En fait, donc c'est au patrimoine mondial de l'UNESCO. Faut le savoir. Et en fait, c'est des grottes dans lesquelles on descend. La visite dure 3 heures. Ah oui. J'exagère peut-être, mais bien 2 heures. Enfin, ça prend du temps, en tout cas. OK. Il faut prévoir des vêtements un peu chauds. Parce qu'on descend vraiment sous terre. Et en fait, ce sont des galeries avec, sous toi, il y a 100 mètres de fond. Et donc, tu passes, tout est très sécurisé, bien évidemment, mais tu traverses, tu passes sur des ponts en verre, par exemple. Et en dessous de toi, il y a 100 km de vide. 100 mètres, pardon, 100 mètres de Oui, 100 vide, mètres. mais voilà, c'est vraiment, mais c'est une cathédrale. C'est extrêmement impressionnant. Alors, si tu souffres de claustrophobie, c'est tellement haut que, enfin, franchement, ça passe. Enfin, personne, en tout cas, s'est trouvé mal pendant la visite. T'es avec un groupe de 30 personnes. Alors, la visite se fait en anglais et les guides portaient des masques, d'ailleurs. Donc, on n'entendait pas forcément très bien. C'était pas parfaitement clair toujours. Voilà. Et nous, il fallait qu'on traduise à ma fille ce Bah qui était oui. dit. Et même moi, je suis parfois passée à côté de certaines informations. Voilà. Ça, c'est juste un peu dommage et il n'y a pas d'audio guide. Mais c'est vraiment, c'est très impressionnant. Et je pense que mes parents s'étaient peut-être dit au départ, oh, on fait ça vraiment pour Héloïse, on va voir. Et en fait, ils étaient enchantés. Voilà, enfin, c'est vraiment, c'est très spectaculaire. Oui, c'est ça. Et ce qui est drôle, c'est que moi, enfin, j'aime bien les films d'horreur. Et il y a un film d'horreur que j'affectionne beaucoup qui s'appelle The Descent, qui est un film de spéléologie avec des femmes qui descendent dans des grottes. Et en fait, à la fin, quand tu sors de la grotte, à la fin, enfin, ça m'a vraiment rappelé ce film. Enfin, c'était vraiment très drôle pour moi. Voilà. Eh ben super, en tout cas, c'était une bonne étape, visiblement. Oui. Et tu vois, cet été, je sais pas, il y a une semaine encore, ma mère m'a reparlé des grottes. Ouais, ça l'a vraiment marqué aussi. Oui, tout à fait. Est-ce qu'on a fait le tour de cette étape et on passe à la Oui, prochaine? Très tout à bien. fait. Alors, Pyrenne, c'est une très jolie ville. Ce qu'il faut savoir sur le plan pratique, c'est que c'est une ville dont le centre-ville ne donne pas l'accès aux voitures. Donc, quand on arrive à Pyrenne, ce qu'il faut savoir, c'est que nous, on avait réservé un hôtel en centre-ville. Il y a des plots, enfin, tu peux pas rentrer dans la ville. Donc, faut aller garer la voiture un peu à l'extérieur de la ville dans des parkings. Alors, tout se fait à pied facilement. Enfin, voilà, tu marches un quart d'heure, peut-être. Mais il faut le savoir si tu as des bagages et il faut un peu s'organiser. Voilà. Donc, ça, c'est le point à savoir. On a circulé un tout petit peu avec une voiture dans des rues très étroites. J'ai un père qui conduit très bien. Je ne sais pas comment il a fait, mais voilà, faut se préparer un petit peu à ça. C'était indiqué, tu l'as pas découvert sur place. Non, on l'a pas découvert, mais si moi j'avais dû prendre le volant, j'aurais un peu paniqué. Voilà, faut le savoir. Donc, Piran, c'est une ville au bord de la mer Adriatique qui est très belle, très touristique, qui fait penser à l'Italie, à Dubrovnik, à toutes ces villes au carrefour de l'influence à la fois autrichienne et italienne, avec des petits balcons très jolis, des églises charmantes. Enfin, voilà, c'est vraiment une très jolie ville qui est bordée donc par la mer. Il y a des restaurants au bord. Enfin, c'est très touristique.
Et ce qu'il faut savoir, c'est que donc tu peux te baigner dans la mer Adriatique, c'est qu'en revanche, il n'y a pas de plage dans le centre-ville clairement dédiée. Ah. Il y a quelques plages de galets, il y a des pontons, mais il n'y a pas une grande plage avec du sable où tu pourrais te mettre. Il y a des endroits avec de la pierre et tu descends voilà, à l'échelle. Enfin, tu marches un peu sur les cailloux, c'est pas le plus simple. Faut pas s'attendre à une plage de sable doré et poser ta serviette. Non, pas du tout. Et par exemple, donc pour des gens comme mes parents qui adorent nager, enfin, ouais, puis la mer est vraiment très très belle, ça ne pose aucun problème. Des gens qui voudraient plus faire de la plage, ça peut poser problème. Je crois qu'il y a une autre ville pas très loin qui est plus balnéaire et moins historique, où on peut vraiment faire de la plage, qui est tout à côté. Je crois que c'est Postojna. Voilà, c'est Postojna. Alors pourquoi vous avez choisi celle-là en particulier? Parce que justement, il y avait la dimension historique. Et que, tu vois, pour 2 jours, on s'est très bien dit que, voilà, même si l'accès à la plage était moins évident. D'ailleurs, nous, ma fille et moi, on avait emporté des tongs. Et en fait, on a vu énormément de gens avec des tongs ou des chaussures pour rentrer dans l'eau. Parce qu'il y a des cailloux, Pour passer, faut oui, le bah oui, savoir. pour pas se faire mal aux Voilà. pieds, ouais. Exactement. Donc, ça peut. Et d'ailleurs, c'est la même chose aussi quand on va en Croatie. Enfin, on peut prévoir vraiment des chaussures comme ça Oh oui. pour rentrer dans l'eau. Bon, alors qu'est-ce que vous avez fait à Piran, puisque vous n'avez pas fait des heures et des heures sur la plage? On a très bien mangé. Des spaghettis Alors, bolognaises? pas que. Alors là, pour le coup, on est vraiment tout proche de l'Italie, on est tout proche de Trieste, et dans les restaurants, la carte est italienne. Ok. On s'est beaucoup promené, donc c'est vraiment charmant. Il y a des couleurs très variées. Mes parents font de la photo, donc je pense qu'ils étaient très contents de ça. Tu peux vraiment, il y a plein de choses à prendre en photo. Le soir, tu te promènes sur le port. Il y a un port de plaisance. Il y a des concerts, c'est animé, les gens dansent, prennent des pots. Enfin, l'ambiance est très agréable. Est-ce qu'il y avait quand même des choses à visiter ou c'était vraiment que de la balade? Il y a des églises. Il y a aussi des concerts de musique classique, parce qu'en fait, il y a un compositeur slovène qui est de Piran. Et en fait, il y a régulièrement des festivals de musique classique ou de théâtre qui sont organisés. Donc, j'ai le sentiment qu'une place importante est accordée à la culture à Piran. Voilà, beaucoup de concerts, beaucoup de vie culturelle. C'était moins sportif, vous avez moins enchaîné les choses qu'à l'étape d'avant. Oui, tout à fait. C'est une ville de la Méditerranée, c'est du tourisme méditerranéen dans une ville balnéaire. Ça fait du bien. Oui. Eh bien, on peut finir avec la capitale. Voilà, on va finir avec Ljubljana. J'ai beaucoup, beaucoup aimé Ljubljana, qui est une capitale. Alors, on s'est limité au centre-ville, qui est un centre-ville vraiment charmant. Il rappelle un peu Amsterdam. Parce que tout le monde se déplace à vélo, parce qu'il y a une rivière qui traverse la ville avec vraiment plein de restaurants au bord des quais, le long des deux rives. Enfin, c'est vraiment très agréable et bucolique. Et en fait, je crois que c'est considéré ou appelé comme la ville aux 100 cafés. Enfin, c'est une ville où on passe du temps au café et il y a des cafés partout. Il y a de très beaux cafés, très différents, des cafés modernes, variés, élégants. Et ce qui m'a frappé dans les différents cafés qu'on a pu voir, c'est l'attention portée au design. Alors, on n'est pas à Copenhague, mais le design, il y a une place importante. Tu vois bien quand on t'apporte ton café ou ton plat que la tasse, elle est choisie, enfin qu'il y a une attention portée aux arts de la table. C'est très raffiné. Ça m'a beaucoup plu. Il y a des choses à voir. Il y a un pont qui est très célèbre, qui est le pont des dragons, parce que le dragon est l'emblème de Ljubljana. Il y a un château que tu peux visiter. Tu peux monter en funiculaire et tu peux descendre à pied. Donc il y a un château qui surplombe la ville que tu peux visiter avec des remparts. Voilà, nous on y a passé une journée. Il faisait extrêmement chaud, mais il y avait des petits diffuseurs d'eau un peu partout, un peu comme des miroirs d'eau un peu partout dans la ville. Donc ça, c'est agréable. Il y a des églises un peu comme des églises baroques. Et puis, ce qu'on peut voir, c'est que un peu partout, il y a des statues à l'effigie des artistes, écrivains ou compositeurs slovènes. Voilà. Il y a des petites fontaines, des statues, des places. C'est très bucolique. Et c'est une ville où on se sent en parfaite sécurité. Vraiment. Je pense que par exemple, une femme seule à Ljubljana, je pense que ça ne pose aucun problème. Et est-ce qu'il y a du monde?
Oui, il y a du monde. Il y a du monde, mais c'est tout à fait fluide. Tu vois, je sais pas, au funiculaire, on n'a pas fait la queue. C'est touristique, fréquenté, mais pas du tout surpeuplé. Est-ce que vous avez croisé beaucoup de touristes? Oui, on a beaucoup de touristes, alors notamment dans les grands sites comme les grottes de Skokian ou le château. Je sais qu'à Bled ou à Boïnj, on a croisé beaucoup de gens de Tchéquie ou de Pologne. Mais je me rappelle qu'à Ljubljana, on est tombé sur des Indiens. Oui, il y a des, c'est très touristique. Et on sent que le tourisme se développe. Enfin, Et des Français? non, on n'en a pas croisé. Ce qu'on a vu beaucoup, ce sont deux choses, c'est des sportifs, des gens qui viennent pour faire du sport, qui viennent avec leur matériel, qui viennent avec leur vélo. Ça, on en a vu. Et on a vu aussi des familles avec des enfants. Voilà. Et les enfants sont bien accueillis. Enfin. Les gens, en fait, qui vont en montagne l'été, c'est tout à fait le genre de destination qu'ils peuvent envisager. Ah oui, c'est vraiment super. C'est sportif, mais pas trop. Voilà, si on est comme moi, on est. Moi, j'aime beaucoup marcher, mais enfin, faut quand même que ça soit limité. Je trouve que c'est peut-être que même des grands sportifs passionnés de haute montagne te diraient, non mais ça va, c'est trop facile. Pour des familles qui ont besoin de repos ou qui ont des enfants petits qui aiment moyennement marcher, je trouve que c'est formidable. En termes de budget, c'est comment la Slovénie pour y aller et sur place? Franchement, c'est raisonnable. Alors, ça veut tout et rien dire, mais il y a de tout. C'est-à-dire que il y a à la fois, tu vas trouver des hôtels manifestement de grand luxe, et on voit qu'il y a une vraie attention au tourisme qui se développe, mais aussi des auberges de jeunesse, des hôtels de charme, des campings, des hôtels un peu. Dans le style un peu, pas accrobranche, mais qui s'intègre vraiment à la nature, y a des choses différentes. Il y a vraiment, il y a beaucoup de glamping avec des cabanes dans les arbres. Il y a des choses différentes qui peuvent convenir à des budgets et des envies variées. Et en termes de nourriture ou dans les restaurants, c'était raisonnable aussi. C'était raisonnable, mais enfin, je pense que tu vois, mes assiettes là, de spaghetti bolognaise, c'était 12-13 euros. Vous êtes fait à manger ou vous êtes passé que par les restaurants? On est passé que par des restaurants dans la mesure où on était à l'hôtel. Bah oui. Alors à Kranjska Gora, on était dans un appart-hôtel où on s'est fait parfois des sandwichs. Voilà, il y a des supermarchés facilement. Voilà, donc parfois on a le midi, on mangeait un peu plus léger, c'était sandwich. Voilà, à Ljubljana ou à Piran, on a mangé au restaurant. Mais je pense au rapport qualité-prix des restaurants à Piran. J'ai trouvé que à Piran, on avait vraiment très bien mangé à des prix tout à fait corrects. Donc c'est vraiment une destination qui mérite d'être découverte si c'est beau et on mange bien et que c'est pas hors de prix. C'est ce qu'on va chercher dans les années à venir. Oui. Et puis c'est écolo, enfin, tu parles de organique, organique, tout est organique, voilà, ça c'est rigolo, mais ouais, ils font vraiment, enfin, il y a une attention portée à l'écologie. Je sais pas, à l'hôtel à Kranjska Gora, il y a des poules, ils te servent le matin les œufs du poulailler. Enfin, c'est touchant, enfin, c'est intéressant et tu as envie de cette démarche-là. Et ils prônent, tu sens qu'ils prônent un tourisme mesuré et raisonnable. Quand ils te disent non, c'est pas la peine de louer des vélos parce que votre fille, elle n'est pas capable d'en faire, on sent aussi qu'il y a y a un souci de limiter les coûts. On s'est jamais senti poussé à la consommation et ça, c'est très agréable. Oh oui. Est-ce qu'il y a quand même des choses que tu as moins aimées ou que tu conseillerais pas? Non, pas grand-chose. J'ai peut-être pas passé assez de temps, mais non, j'ai été vraiment enchantée. Alors, je pense que les conditions dans lesquelles j'étais avec mes parents, c'est très sympathique. Enfin, mais non, non, j'étais enchantée. Vraiment, c'est une belle destination. Eh ben super. Avant de nous quitter, j'aime bien finir avec des petites questions en mode guide pratique pour vraiment se préparer à aller en Slovénie. Oui. Combien d'heures d'avion? Quel décalage? Aucun décalage. 1 heure, 1h30 d'avion max. Est-ce qu'il y a des formalités pour aller en Slovénie? À ma connaissance, aucune. Un passeport ou une carte d'identité en cours de validité. Des vaccins, des trucs à prévoir pour la santé? Pas du tout. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas oublier quand on va en Slovénie? De bonnes chaussures pour marcher. Et des chaussures pour aller dans l'eau. Oui, tout à fait.
Quels ont été vos meilleurs moments, le top 1 pour chacun d'entre vous? Alors, le top 1, je dirais, alors, pour moi, ça va être Boinge. Pour ma fille de 7 ans, je dirais le château. Pour ma mère, Kranskagora. Ouais. Et pour mon père, qui aime l'eau et la mer, Piran. Il y en a eu pour tout le monde. Oui, vraiment, ça a été choisi en fonction... Oui, tout à fait. Quand vous avez fait l'itinéraire avant de partir, donc, vous avez vraiment axé en fonction des envies de chacun. Tout le monde s'est collé à la préparation. Ma fille, pas ma fille, non. Même si je l'ai consultée au départ pour la destination, je lui ai montré, etc. Alors, ce qui est drôle et ce qu'il faut que je peux raconter, c'est que ma fille, un peu avant de partir, était vraiment tétanisée à l'idée de partir. Ah bon? Et elle a beaucoup pleuré, etc. Et j'ai mis du temps à comprendre. Et en fait, elle a fini par m'expliquer, me verbaliser qu'elle, dans sa tête, la Slovénie était à côté de l'Ukraine. Et elle croyait qu'il allait y avoir la guerre, etc. Là Enfin, là. j'étais désolée, donc je lui ai bien montré sur un globe, etc. Enfin, j'étais. Ah mais Enfin, comme oui. quoi on ne se rend pas compte de l'impact. Elle a que 7 ans. Enfin, voilà, j'étais vraiment surprise, bouleversée, ébranlée. Enfin, voilà. Donc, je l'ai vraiment rassurée là-dessus. Et elle a mis du temps à t'expliquer ça? Oui, elle a mis un peu de temps à me l'expliquer et j'ai mis du temps à le comprendre. D'accord. Oui. Oh, choupette. Voilà, mais passé ce point, alors en fait au départ on avait peut-être prévu de commencer par Ljubljana et finalement on s'est dit on va louer la voiture, partir tout de suite et finir par Ljubljana pour des histoires de voilà, rendre la voiture à l'aéroport, ce genre de choses. Donc ça nous a paru plus simple. Au départ mes parents avaient parlé d'aller à Trieste et puis finalement on s'est... Alors, et moi, j'ai dit, je me souviens, mais ça, c'est vraiment la non-aventurière qui parle, mais restons en Slovénie, pourquoi aller dans un autre pays, etc., même si c'est vraiment juste à côté. À tel point que j'avais vérifié, moi, j'avais fait un itinéraire, j'avais vérifié 3 fois que Trieste était bien à, je sais pas, à 20 kilomètres de Piran, enfin, tout était vraiment tout près, quoi. Donc, finalement, on a dit, non, non, on reste en Slovénie. Et Kranjska Gora, c'était une idée de mes parents. Moi, je connaissais pas du tout, et c'était très bien. L'activité à ne vraiment pas louper avec les enfants. Le château. Votre hébergement préféré? J'ai beaucoup aimé l'hôtel de montagne à Kranjska Gora, qui était un hôtel avec des poules, un potager. Le côté naturel m'a beaucoup plu. Tu te souviens de son nom? Non, et c'était un... mais ce que je peux dire, c'est que c'était un appartement-hôtel. Ok. Cette formule-là m'a bien plu aussi. Ouais, c'est assez Parce que ouais, tout le temps pratique. manger au restaurant. Au bout d'un moment, ça, enfin, voilà, les spaghettis bolognaises, c'est bien, mais un bon sandwich, c'est très bien aussi. Et bien justement, quel a été votre restaurant préféré? Mon restaurant préféré, résolument les restaurants de Piran, où la gastronomie est plus élaborée. Et je pense qu'on voit qu'on est en Italie. Et il y a plusieurs restaurants qui se ressemblent au bord de la mer, sur le port, et qui servent notamment des spaghettis al vongole, très très bonnes. Allez, les petites dernières, on a presque fini. Celle que j'aime particulièrement. Une anecdote, un truc qui t'est arrivé lors d'un de tes voyages et dont tu te serais bien passé. Bon, tu nous as déjà raconté la Patagonie, donc ça doit être un autre. Alors, je peux raconter ce qui s'est passé en Slovénie. En fait, quand on visite les grottes de Skopje, on part avec un guide et il y a des départs toutes les heures. Et donc, en attendant le départ, on est allé sur une aire de jeu avec ma fille et elle faisait une espèce de parcours chronométré. Et elle me dit, oh, tu veux pas essayer, etc. Et je dis oui. Et je monte sur le truc que je fais à toute vitesse. Et en fait, je me suis coincée une écharde sous l'ongle Aïe. très profondément. Je m'en suis pas rendu compte tout de suite, je m'en suis rendu compte dans la soirée. Le lendemain, j'avais du mal à tenir ma fourchette à table. Enfin, voilà, c'était Aïe, vraiment aïe, gênant. J'ai trouvé de l'antiseptique, mais enfin, je voulais quelque chose vraiment dans lequel, du Dakin, dans lequel vraiment plonger mon pouce. Et en fait, j'ai appelé ma pharmacienne à Paris, qui m'a dit, trempe, fais des bains d'eau avec du sel. Et ça s'est avéré extrêmement efficace, c'est vrai qu'en trempant mon pouce, pourtant je faisais des poupées toutes les heures d'antiseptique. Le sel était, enfin, ça piquait, enfin, c'était vraiment efficace. Et au bout de quelques heures, à force de, enfin, j'ai réussi à charcuter mon ongle et mon père m'a retiré l'écharpe qui était énorme. aïe, aïe, aïe. Et tu t'en es pas rendu compte sur le moment. J'ai bien vu qu'il y avait quelque chose sous l'ongle, mais j'ai pas trop vu. Et dans la soirée, j'ai vu vraiment qu'il y avait un problème.
Et enfin, je me rappelle, le lendemain matin, mes parents m'ont dit, mais s'il y a besoin, on va aux urgences, quoi. Et le conseil de ma pharmacienne a permis de ramollir mon doigt. Et je pars toujours en vacances avec un kit de manucure, pas loin du kit chirurgical. Une année comme ça, ma sœur s'était coupée, enfin je lui avais retiré des bouts de verre à la pince à épiler, enfin donc je pars toujours avec ce genre d'outils et là j'étais très contente. Votre prochaine destination en famille? Prochaine destination en famille, avec mon mari et ma fille, on va partir à Toussaint au Futuroscope. Quelle destination aimerais-tu découvrir sur le podcast? Je réfléchis, le Québec. Ok, l'appel est lancé. Et la dernière, si nos auditeurs te cherchent, où peuvent-ils te trouver? On peut me trouver sur Instagram, notamment sur Twitter et Facebook, mais avant tout Instagram. À Sarah Soquet? Oui, sarah.soquet. Sarah.soquet, je mettrai ça dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Sarah pour ce chouette carnet de voyage en Slovénie. Ben, merci beaucoup, j'ai été vraiment ravie de pouvoir échanger et parler de ce pays qui mérite vraiment d'être découvert. Oh oui, en tout cas là, moi, tu m'as donné envie. Ah, mais c'est super. Eh ben merci encore et à bientôt. Merci Stéphanie, à bientôt. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être resté jusqu'au bout. Si cet épisode vous a plu, abonnez-vous, partagez-le, écrivez un petit commentaire et laissez 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme d'habitude, toutes les notes sont sur le blog famille et voyage avec un s.com. Vous voulez ouvrir vos carnets de voyage? Ou vous aimeriez en écouter un sur une destination particulière? Retrouvez-moi sur Instagram à famille et voyage_blog. À bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous, inspirez-vous et créez-vous de chouettes souvenirs en famille.